Bonjour, chers internautes. Nous parlons du permis de conduire aujourd'hui dans la question du jour. Selon vous, quelle est la nécessité pour un élève âgé de 18 ans d'avoir son permis de conduire? Répondez à cette question en restant connecté sur News Live. C'est très important d'avoir son permis de conduire parce que il ou elle aura certainement besoin de cela pour non seulement ses déplacements, mais lors des entretiens d'embauche, il y a des entreprises qui sont très regardantes par rapport à ce point, si la personne a le permis de conduire ou non, pour pouvoir embaucher, parce qu'il y a certains travails qui nécessitent justement que la personne sache conduire. C'est peut-être loin, où on a besoin justement de chauffeurs, et il faudrait quelqu'un qui sache conduire. C'est très important. Moi également, j'ai cette option, en fait. J'aimerais passer un permis de conduire. En effet, le permis de conduire est tellement bénéfique pour nos jeunes entrepreneurs, en fait. Moi, personnellement, tu peux aider la fonction publique et quand tu termines ton travail, tu peux faire le taxi. Ça peut. Et ça, il y a vraiment de l'argent là-dedans. Les étrangers, ils gagnent beaucoup. Mais eux, ils voient seulement que le taxi, c'est pour les étrangers, c'est pour les Camerounais. Alors, non. Ils gagnent beaucoup. Et c'est maintenant qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Et j'espère que ce n'est pas trop tard. Parce que beaucoup aussi réfléchissent. Oh non, je ne peux pas faire le permis, je ne peux pas être chauffeur. Chauffeur, c'est quoi? L'argent à la couleur. L'argent que tu gagnes là-bas, c'est l'argent, c'est pas ça. Permis de conduire, je pense que c'est nécessaire. Bien même avant, c'est possible. Bien avant, tu peux avoir ton permis. Pas besoin d'avoir d'abord le bac pour ensuite avoir le permis. Non, on peut toutefois avoir son permis et avoir le bac plus tard. Parce que le permis de conduire, aujourd'hui, pour ma part, je trouve que c'est très appuyant dans plusieurs points. Par exemple, pour moi, je me dis qu'il peut faire office des diplômes. Vous avez des personnes qui sont dans... Je vais prendre l'exemple de nos frères taximan là. Ils vivent au dépend de ça. Et tu ne peux être transporteur si tu n'as pas un permis de conduire. Sinon, la police est là pour s'occuper de toi. Pour les gens, ils se disent qu'avoir un permis de conduire, c'est finir chauffeur. Non, c'est pas forcément ça. Tu peux faire tes études et tout et puis avoir ton permis. Mais c'est nécessaire, c'est beaucoup nécessaire d'avoir un permis de conduire, surtout à un certain âge. Le permis, c'est un diplôme comme tout autre. Voilà. Et c'est vraiment primordial d'avoir un permis. C'est parce que nous sommes dans les pays du tiers monde. Normalement, à partir de la maturité, chacun, en fait l'État devait même déjà, chaque État devait prévoir cela. Ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas se retrouver dans les cas par exemple des accidents. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont des véhicules qui n'ont pas les papiers. Il y a d'autres qui prennent les véhicules avec les parents, mais ils n'ont pas les papiers. Qui volent même, parce que j'en connais même. Le permis, vraiment, il est important. En fait, si ça ne tenait que moi, c'est un papier qu'on pourra même essayer d'exiger à tous les individus, à tous les citoyens. Lorsque tu n'as pas de pièces, ta pièce d'identité, tu peux avoir ton permis, tu le présentes. En fait, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui entrent en compte. Et c'est vraiment important, c'est important. Voilà qui est dit, chers internautes, l'importance du permis de conduire pour un élève âgé de 18 ans et donc que celui-ci pourrait le faire valoir dans sa quête à l'emploi, mais aussi que durant les vacances, il pourrait servir en tant que chauffeur dans les différents quartiers de la capitale. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.